L'enfant apprend très tôt à distinguer, je crois, je ne suis pas spécialiste de cette question, à distinguer l'homme et la femme, la petite fille, le petit garçon. Je crois qu'un petit, dans un square, puisque actuellement on a beaucoup de squares ouverts et que je les observe à la sortie du déconfinement du coronavirus, un petit garçon sait qu'il a affaire à une petite fille. Donc il a un savoir-faire qui s'est constitué rapidement. Et si on lui dit que ça n'a pas d'importance, c'est pas un problème. Parce que finalement, il y a des gens qui sont dans le déni. Oui, c'est vrai, tu observes qu'il y a ça et ça, mais en réalité, ça n'est pas valable. Ça correspond à une sorte de d'hubris créationniste. C'est-à-dire, oui, ça existe, mais nous voulons que ça n'existe pas. C'est une sorte de miracle, voilà. On voudrait faire un miracle qui ferait que l'homme et la femme soient pareils. Et là, l'hubris du miracle, on la retrouve dans le livre de l'Exode, on le retrouve dans bien des récits des évangiles. Et il y a toute une idéologie de gauche qui est celle du miracle, en fait. C'est-à-dire nier la réalité pour la dépasser, pour montrer qu'on est plus fort que la réalité. Et ce qui oppose la gauche et la droite, c'est ce rapport au miracle. Parce qu'il y a une théologie du miracle, qui est une théologie que j'appelle, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, du monde israélite par rapport au monde de Juda. Les Israélites sont dans le miracle, ils inventent le livre de l'Exode, qui est le livre du miracle. Il est repris quelque part par Jésus. D'ailleurs, quand je discute avec des amis chrétiens, le miracle, c'est la preuve que Jésus est Dieu. Mais en même temps, on peut dire que le miracle, c'est la preuve que Jésus est l'anti-Dieu et le Lucifer, celui qui est capable de remettre en question ce que son père a établi. Donc la gauche, c'est une forme de subversion miraculeuse qui fait qu'on dit, ne faites pas attention à ce qui existe, on peut dépasser, on peut transcender tout ça.